Tout le travail des bovins à cheval. 180 bovins sur la ferme, entre troupeaux vaches allaitantes. Et chaque fois qu'il y a besoin de manipuler un animal, comme mon épouse. Et puis là, on a deux amis qui sont venus nous aider là, pour faire l'animation. Alors, on a un lot de sites. L'idée, c'est d'avoir un lot d'animaux qui sont dans la zone, dans une zone, on peut l'appeler la zone A. Et il faut les emmener dans la zone B. Les bovins sont comme les chevaux, hein, sont des herbivores, des animaux de fuite. Et si vous courez derrière la queue d'une vache, ça fuit. L'idée, c'est d'isoler un seul animal et de l'amener dans l'autre zone. C'est pas évident parce que les bovins sont grégaires, c'est-à-dire que la vie en groupe leur va bien pour en tant que proie. Voilà, bravo. C'est exactement ça. Allez, t'en prends une et tu la suis. Et attention, normalement, il faut envoyer une seule bête, sinon ça fait trop de pression sur le chat qui garde la porte. Et bon, là, c'est pour des petites, mais imaginez des bêtes adultes. Vous avez trois vaches qui arrivent sur un cheval, le cheval, il prend toute la pression et il peut avoir peur. Donc là, l'idée, c'est d'aussi éduquer les chevaux, à les rendre courageux. Et donc, on va essayer de faire des choses bien. Voilà. Pourtant, on prend notre temps dans un tour. Dans un premier temps, il faut toujours ramener le troupeau dans la zone de confort que vous avez décidé. Donc là, c'est dans le fond. Et dans un deuxième temps, séparer une bête. Alors là, il va y avoir une difficulté. Parce que vous voyez, il y a des bêtes qui sont de couleur plus foncée, là, avec les têtes blanches. Ce sont des jumelles. Et pour les séparer, celles-là, bon courage à David, là.
Wind up here with you, my home sweet home.